La famille, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Hein? C'est votre humble serviteur Stéphane Abi. Moi, vous savez très bien que je suis ni suiveur, je suis ni suceur. Je dis toujours ce que je pense. Voilà, aujourd'hui, je vais réagir sur deux petits cas qui me gênent un peu, sur lesquels je veux me prononcer. Voilà. Je ne serai pas dû, mais je vais essayer d'avertir certaines personnes. Certaines personnes qui s'attaquent inutilement à Truc Bonatis de Bordeaux. Donc je vais m'adresser à elles. Le premier cas, c'est Will Steph. Will Steph, comme mon petit cagoulé te l'a dit, si quelqu'un dit qu'il n'apprécie pas tes vidéos, ta manière de faire les vidéos, c'est qu'il est simplement jaloux de toi. Tu comprends? Mais cela ne te donne pas le droit de faire ta série de vidéos quand tu as commencé à faire site de Bordeaux Likoufa. Cela ne te donne nullement le droit. Tu n'as même pas le droit. Voilà. Parce que tu as toujours pour réponse que comme quoi on ne connaît pas le but de tes vidéos, l'objectif de tes vidéos, ce que tu vises et tout ça. Moi, j'appelle ça des conneries. C'est des bêtises. On dit tous les moyens sont bons pour aller à Rome, mais si tu vas de manière clandestine, tu ne fais pas bien. Si tu passes par la mer pour aller à Rome, tu ne fais pas bien. C'est-à-dire que quand tu veux donner des conseils à quelqu'un, même quand tu veux amener quelqu'un à travailler, il y a la manière aussi qu'il faut chercher. C'est pas en venant te mettre sur la toile disant que toi, tu regrettes que Didier Arafat et Desbordeaux ne soient plus en clash. Comme quoi, c'est truc Desbordeaux qui tirait son inspiration des clash. C'est des conneries. Et ce qui est stupéfiant dans cette histoire, c'est que il y a des fans de Bordeaux qui applaudissent ça. Qui mettent des commentaires comme du genre « Ah, le mec, il dit la vérité. » Vous savez ce que c'est que la vérité? Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Quelqu'un ne peut pas clamer de promouvoir une musique par le clash et puis vous allez venir la clamer. Non. Et puis, je vous dis quelque chose. Vous savez un peu. Je vous comprends. Je ne vous plais même pas. Parce que quand tu comprends un peu comment les réseaux sociaux fonctionnent, tu peux comprendre certaines réactions. Vous savez, quand vous regardez la première fois la vidéo de quelqu'un, que vous décidez de vous abonner, c'est que le discours ou la vidéo de cette personne vous a plu. Sa manière de penser vous a plu. C'est pas pour autant que tout ce que cette personne va dire ou va faire est forcément parole d'évangile. C'est ce que je vais vous dire en fait. C'est franchement, moi je préfère que tu arrêtes cette série de vidéos là parce que inspiré ou pas, des Bordeaux reste des Bordeaux. Voilà, parce que le mec il ne s'est jamais pensé de faire sortir une œuvre. Même si nous, ces fans, nous sommes impatients là. Tu ne peux pas venir mettre lui sur le feu. Voilà, mine de rien. D'après toi, on l'oublie. Et puis, ce qui m'a vraiment choqué, tu compares des Bordeaux à Safarel Obiang. Tu n'as jamais écouté les interviews de Safarel Obiang quand il te parle des Bordeaux et de Didier Arafat. C'est les gens comme vous là. C'est les gens comme vous là. Qui créent. Toi, le fait, comme toi, tes vidéos à la base sont basées sur du clash. Comme il n'y a plus de clash, tu veux créer encore un autre clash inutile pour te faire encore plus de visibilité. Moi, je trouve que c'est malheureux. Voilà. Tu fais des très bonnes analyses souvent, mais souvent tu es à côté de la plaque. Franchement, sur le cas des modos, tu es à côté de la plaque. Parce que tout ce que tu as dit là, on le sait déjà. Mais comme c'est YouTube et que tu as des abonnés, tu feras forcément des vues, c'est tout. Donc, il faut arrêter ça. Desbordeaux ne te connaît pas, il s'en fout de toi. Laisse-le dans ta carrière comme ça. Voilà. Mais c'est le mec, vous critiquez. Puis toi, oui, je sais que quand il va faire sortir son team 2, c'est toi qui vas vouloir venir faire décryptage de son œuvre. Faut arrêter un peu. Faut arrêter. Voilà. On t'apprécie tous, mais faut arrêter. Tu es le plus vieux des youtubeurs parmi nous. Tu es très ancien. Tu t'y connais la matière. Donc faut arrêter, s'il te plaît. Voilà, moi j'ai beaucoup de respect pour toi, mais il faut arrêter ça. Ta vérité là, faut la garder pour toi. Parce que tout ce que tu as dit là, on a déjà tout entendu. Nous, on a déjà dit ça. Les internautes qui commentent en dessous de nos vidéos ont déjà dit ça. Donc tu ne viens pas nous saouler. Viens pas insulter des Bordeaux à la fin. Voilà. Et puis moi je trouve que c'est malheureux encore. C'est vraiment malheureux de penser que c'est quand il y a clash que le coupé de calé peut exister. Je suis désolé. Moi, je ne suis pas pour les clashs. Voilà. Je ne suis vraiment pas pour les clashs. Et puis, vous, les fans,
vous les fans de ce dernier qui applaudissez, continuez d'applaudir, hein, parce que si Deborah fait sortir une de vous que vous vous mettez à danser, c'est que de l'hypocrisie. Ce sera que de l'hypocrisie. Voilà. Donc oui, c'est ça, c'est juste un avertissement. Juste un avertissement. Si je vois une troisième vidéo encore sur le cas, franchement, je ne serai pas tonne. Voilà. Peut-être même qu'on peut sortir les dents. Même si ce n'est pas dans mes habitudes. Quand tu es vieux, il faut te faire respecter. C'est tout ce que j'ai à te dire. Voilà. Maintenant, le cas Didi B. Didi B, toi, il ne va même pas durer avec toi. Je ne vais pas durer avec toi. Mais il y a un truc que je plains souvent. Et je comprends, comme il est Dieu, il reste Dieu, il sait ce qu'il fait. Je comprends souvent quand nous sommes dans l'ombre, beaucoup d'hommes n'hésitent pas à nous aider. Parce que lorsqu'on sort un peu la tête de l'eau, on pense qu'on est arrivé. Donc on s'y mise dans les affaires qui ne nous intéressent même pas. Faut te calmer, hein. Faut te calmer même. Je ne veux même pas attaquer les Kifnobit. Mais toi, Didi B, je t'ai bien remarqué que tu aimes bien mettre ta petite gueule dans toutes les affaires. Tu n'es que Kifnobit. Tu n'es rien même. Tu n'es rien. Voilà. Quand on parle des stars internationales, c'est-à-dire des renommées, il y a des stars qui peuvent nous insulter et on dit oui, respect. Mais ce n'est pas toi, Didi B. C'est des modos qui n'a pas de truc. Gombo, quelqu'un qui quitte aux États-Unis, il fait des spectacles, il vient faire conseil, il fait des spectacles bien ici, il s'en va en Europe, lui il a déjà dit qu'il n'a pas au Gombo. Il faut respecter des Bordeaux, hein. c'est pas ton camarade, et toi-même ton parcours là, tu connais. Quand vous marchez des Bédébières à deux ici, là, vous voyez, hein, Dieu vous a béni, restez un, restez comme certains artistes qui sont dans l'ombre, qui se concentrent sur la musique, qui se mettent dans l'affaire des gens. Faut arrêter même. Voilà. Parce que tu étais l'un des rappeurs des Kifnobit que j'admirais beaucoup. Mais j'ai l'impression que toi, le succès te monte un peu trop à la tête. Mais t'inquiète, nous on te fait redescendre sur terre. Parce que tu ne comptes pas, hein. Tu ne comptes vraiment pas. Quelqu'un peut sortir aujourd'hui et puis va venir vous dépasser les Kifnobit. À tous les plans. Que ce soit la renommée, que ce soit la célébrité, que ce soit l'argent, que ce soit le succès, tout. Donc, faut arrêter. Tu vas te créer des ennuis pour rien. Débordez-vous parce que c'est votre camarade. Il va te rencontrer dans... Je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que tu as compris mon message. Plus jamais. Tes commentaires à deux balles là, plus jamais. Parce qu'on te surveille maintenant. N'importe quoi. Ciao, ciao les amis.